Carambolage à Yopougon-Jesco, 10 morts. Les sacrifices humains pour le quatrième mandat d'Alassane Ouattara ont repris sous nos yeux. Chers abonnés, je vous avais dit que le vieux Grigou était déterminé à faire un quatrième mandat et que rien ne l'en dissuaderait. Ces marabouts se sont dit capables d'accomplir la mission, mais qu'ils devraient procéder à de nombreux sacrifices. Ils avaient précisé que pour une telle mission, les sacrifices d'animaux seuls ne suffiraient pas. Il faudrait en plus des sacrifices humains. Quand j'en parlais, certains trouvaient cela exagéré. Mais c'est être naïf que de croire qu'en Afrique, les politiciens n'ont pas recours à de telles ignominies pour accéder ou conserver le pouvoir. Je vous le dis, rien, absolument rien, ne rebute Tene Biraïma Ouattara dit la fiole, quand il s'agit du pouvoir de son frère aîné. Ne vous ai-je pas révélé que pour son troisième mandat, des albinos de Kong avaient été sacrifiés à Saint-Doux? Les vidéos de ces enquêtes sont encore sur ma chaîne. Chers abonnés, que ceux qui veulent croire, y croient. Que ceux qui ne veulent pas y croire, n'y croient pas. Ils l'apprendront à leurs dépens. N'est-ce pas ainsi qu'il y a seulement 48 heures, j'avais annoncé que des officiers sur dénonciation de l'espion Mamadou Diabaté dit Blégoudé seraient arrêtés et qu'ils devraient prendre des dispositions? Le capitaine Niamien Kouakou Armand n'a-t-il pas par la suite été arrêté, torturé et abattu? Vous avez donc le choix de croire. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup d'Ivoiriens vont mourir. Beaucoup de sang va couler pour satisfaire les marabouts et autres génies maléfiques de la Ouattari pour la quête de leur quatrième mandat. Le 18 janvier 2024, un carambolage à Yopougon-Jesco entre trois véhicules a occasionné 10 morts et plusieurs blessés très graves. Ces sacrifices simulés en accident vont s'intensifier et se multiplier pour assouvir la quête de sang pour faire le lit du quatrième mandat du despote Alassane Ouattara. Observez bien et ouvrez les yeux. Bientôt, les Ivoiriens mourront partout, par paquets, et cela ne vous surprendra pas, car je vous aurai prévenu. Si les Ivoiriens ne se mobilisent pas pour chasser cette famille de démons cannibales, ils mourront impitoyablement. Vous là, attendez, quittez-la. Quittez-la, ici là, ils savent ce qu'il y a, il y a un cabinet qui est dedans. Ne jouez pas à ça. Voilà ça, regardez bien, regardez. C'est un qui est couché là. C'est un qui est couché. Le chef même est divisé en trois. Regardez. Il est mort. Plus, c'est pas que je suis une raison pour laquelle. Sinon, s'il m'approche, c'est pas bon. S'il m'approche, il y a deux verres boutés, ils vont crier. Qui? C'est pas facile à regarder, c'est pas facile à regarder, les amis. Regardez. Attends, nous ne. Regarde. Regardez. Nous sommes en train de faire sortir. C'est un pont à faire sortir. Regardez. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.